Salut les filles, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo news, donc cette fois-ci qui se fait avec la caméra parce que en cette année 2013, ça commence bien parce que ma batterie d'ordinateur donc m'a lâché, ce qui fait que je peux plus faire de vidéo news et je ne peux plus répondre à vos commentaires jusqu'à la réception de mon prochain chargeur. Donc je l'ai commandé le 27 et nous sommes maintenant le 1er. Donc tout d'abord je tiens à vous souhaiter une merveilleuse et joyeuse année 2013, pleine de cheveux longs, évidemment. Donc de joie, d'amour, de bonheur, de santé évidemment, de sous-sous, de sang, d'argent évidemment, parce que on n'a pas beaucoup de sous, donc on aimerait bien en avoir plus. Donc vraiment une année pleine de surprises, de rebonds, d'espoir, tout ce que vous voulez, donc vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc dans cette petite vidéo news, donc j'essaie de tuer un peu le temps parce que vu que je suis pas sur mon ordinateur, je peux pas faire un peu ce que je veux. Donc je vais vous présenter un petit peu ma vanity, donc ma trousse make-up. Donc comme vous allez pouvoir le constater, il y a du bio, il y a du non bio. Donc ce sera à discuter. Donc il y a pas mal de choses à vous présenter. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors. Tout d'abord, je vous présente donc des palettes qui ont été achetées sur le site Makeup Academy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais nombreuses d'entre vous qui êtes make-up addicts devez connaître. Donc, notamment des palettes qui ont été reprises sous les mêmes tons et couleurs que la marque d'Urban Decay, les palettes Naked. Donc, je vous présente un peu les palettes avec les couleurs. Je ne sais pas si on voit bien. Donc ils ont repris à peu près les mêmes timbres de couleurs que ça. Donc ici ce serait la 1 et la 2 et bien évidemment. Ensuite j'en ai pris une troisième avec d'autres teintes un peu plus foncées. Donc qui ont un large panel de choix. Mais dont la tenue est bof bof quoi évidemment. C'est pas forcément de la qualité et on paye pas très très cher. C'est un peu le site ELF, c'est un peu le même style. Toutefois, c'est pas français, mais c'est vraiment génial. Donc vraiment, si vous êtes du genre à accorder par exemple avec vos tenues, ou bien si vous aimez le changement, donc n'hésitez pas. Par contre, c'est vrai que ça se met dans le pli de l'œil, donc faut quand même mettre une base. Bon, moi j'en ai pas, donc je fais des retouches. Mais sinon, c'est vraiment pas mal en dépannage. Et franchement, j'ai pas envie de mettre trop cher, donc pour moi personnellement, ça me convient. Pour continuer donc dans les couleurs. Donc j'ai une palette de Dior, donc vous allez me dire de la marque. Oui, c'est la seule marque que j'ai en fait. C'est une palette donc, qui m'a été offerte à mes 14-15 ans. Donc comme vous pouvez constater, elle a au moins 7 ans. Et elle est toujours en forme. Et elle est donc de cette teinte. J'utilise beaucoup celle-ci qui est vraiment l'une de mes préférées, celle du milieu aussi. Et les teintes sont vraiment très claires. Un peu nude, donc ça passe très très bien. Moi qui aime bien les couleurs plutôt discrètes en ce moment, c'est ce que j'utilise principalement. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup et qui tient depuis un moment. Donc pour information, c'est la 539 Iridescent Leather. J'adore l'accent anglais. Donc voilà pour la palette, tout ce qui est couleur pour les yeux. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de Plant System, donc qui est une marque des laboratoires Arcopharma, que vous devez connaître, parce qu'à force de vous parler de la spiruline d'Arcopharma, vous vous dites, celle-là, elle commence à me saouler. Donc, Plant System, ici, vous pouvez retrouver le fluide hydratant à l'Edelweiss, et ici, un fluide hydratant Bonne Mine à l'hibiscus. Donc tout d'abord celui-ci ça fait 2 mois et demi que j'utilise, que je mets en base avant le maquillage, qui ne fait pas briller, qui pénètre rapidement et qui hydrate intensément la peau. Donc vraiment je recommande grandement. Et en ces temps froids, en temps d'hiver, elle est vraiment géniale parce qu'elle protège la peau contre le froid. Vraiment très bien, je rachèterai c'est sûr, c'est vraiment un must. Excusez-moi. Ensuite, en ce qui concerne le fluide hydratant Bonne Mine à l'hibiscus, pas mal du tout. Donne une très belle couleur à la peau. D'ailleurs, vous allez pouvoir le constater, l'embout est gorgé de couleurs. Donc d'une teinte dorée pailletée qui s'applique très facilement sur le visage. Par contre, je déconseille fortement aux peaux extrêmement blanches parce que ça va vous faire paraître orange. Ou il faut mélanger ce fluide à votre crème de jour.
de couper un petit peu le fluide parce que sinon ça risque de vous donner une mine orange, donc c'est pas la peine. Déjà moi des fois ça donne un petit peu orange quand j'en mets trop, donc je limite un petit peu. Sinon pour les peaux mates vous allez vraiment adorer, ou les peaux normales comme moi vous allez l'apprécier, surtout en période de printemps-été quand il va commencer à faire bon et qu'on va plus vouloir trop se maquiller, parce qu'évidemment avec la chaleur bah, ça fait transpirer et ça dégouline, donc non merci au fond de teint. D'ailleurs l'année dernière bah, j'avais pas trouvé de produit comme celui-ci, ce qui fait que bah, j'étais un petit peu gênée donc de venir sans maquillage, mais voilà j'ai trouvé mon must pour l'été prochain. Donc vraiment une très bonne marque que je recommande grandement, donc qui fait partie du bio, du naturel et qui a une composition vraiment exceptionnelle. Donc vraiment une composition très complète, très riche. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ensuite, pour repartir dans Nuxe, donc Bio Beauté by Nuxe, il me reste encore deux petits échantillons que j'avais achetés. Donc l'eau démaquillante micellaire à l'eau d'orange, que j'ai pas encore terminée mais il reste un fond. Donc tout d'abord ça ne sent pas l'orange, mais ça démaquille très très bien, ça démaquille très bien les peaux sensibles qui ont tendance à rougir. Donc c'est vraiment assez doux, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça mousse et ça enlève très bien le mascara. Donc vraiment je recommande. L'exfoliant confort aux fruits rouges, donc que je vais sûrement racheter quand j'aurai terminé mes gommages visage, donc qui sent vraiment une chouette odeur de fruits rouges, vraiment sublime, qui gomme très bien le visage mais qui me donne quand même quelques rougeurs, donc mais je rachèterai quand même parce que dans tous les cas j'aime beaucoup, donc vraiment très très bien. J'en ai marre de dire donc à force, mais c'est vraiment une sale habitude à donc c'est vraiment une sale habitude à arrêter parce que ça me gave. Bref, j'aime beaucoup. Voilà, je vais arrêter. J'ai racheté, donc toujours chez Nuxe, l'hydratant lissant 24 heures, donc qui est une crème hydratante qui s'applique facilement avant le maquillage, qui est une très bonne base, qui ne fait pas briller, qui sent super bon les agrumes, qui est tonifiant. Franchement, le matin, ça me booste. Franchement, le matin, en général, c'est la tête dans le cul. Et dès que j'en mets, ça va tout de suite mieux, je me sens bien. Et ça sent vraiment super bon, vraiment pas mal du tout. Également une composition excellente, complète, riche, tout ce que vous voulez pour le prix. Même si vous dites que ça coûte super cher pour une crème, elle est vraiment pas mal du tout. Donc vraiment, je recommande. J'en ai racheté, hein, donc je recommande, évidemment. Ensuite, niveau correcteur, donc tous, bah, j'ai pas de correcteur anti-cerne parce que j'ai très rarement des cernes, voire pas du tout, mais notamment des petits boutons, donc pas longtemps je n'ai eu un là, donc pas terrible, et pour camoufler, allez-y avec du blush dessus, donc qui est de chez Kiko, Skin Evolution, donc concealer, correcteur de teint, ce que vous voulez. Donc Kiko qui est une marque que j'apprécie beaucoup mais qui n'est pas naturelle. Seulement le petit bâtonnet en fait qui se trouve à l'intérieur est pété, ce qui fait que ben, je ne peux pas le rentrer. Donc ça reste comme ça pour le moment. Donc j'ai pris la teinte numéro 2, donc qui me va parfaitement bien. C'est le seul correcteur de teint que j'ai, donc je recommande quand même parce que je le garde. Voilà. Ensuite, niveau fond de teint crème hydratant, donc j'en ai trouvé un de chez Benecos, donc qui me semble est une marque allemande, donc que j'ai trouvé dans ma boutique bio, qui est pas très cher pour 30 ml, 7 euros, qui a un design plutôt sympathique, qui est fait à base d'huile végétale, donc très nourrissant pour la peau, mais qui ne fait pas trop briller. Avec un petit peu de poudre, ça passe largement. Donc pas mal du tout, par contre le seul souci, c'est l'application, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une texture super épaisse, ce qui fait qu'en fait quand vous appliquez ça fait des petits tris en fait, ça fait des petites striures en fait, et vous êtes obligé de repasser à chaque fois pour bien étaler. Quand j'ai le temps j'en mets, quand j'ai pas le temps j'en mets pas, mais vraiment très, comment vous dire, ça s'adapte super bien à la couleur de peau. Là j'ai pris couleur nude et quand j'en mets ça donne l'impression de ne pas en avoir mis, mais d'avoir une peau vraiment nette, nickel quoi. Voilà, avoir vraiment une peau fraîche, éclatante. J'aime beaucoup, sauf la texture qui est vraiment beaucoup trop épaisse. Allez à retravailler, mais franchement la couleur rend super bien. Voilà. Mais qui est naturelle aussi et qui a une très très bonne composition. Voilà. Ensuite, pour continuer sur le teint. Donc mes chouchous, mais vraiment chouchou chouchou chouchou, pour le prix 6 et 7 euros, franchement 6 et 7 euros c'est quoi? C'est vraiment pas cher.
fond de teint fluide, fond de teint poudre compact, toujours couleur naturelle, nude, de chez Avril Beauté, qui sont vraiment somptueux, magnifiques, ouais, génialissimes. J'aime beaucoup, j'en mets au quotidien, texture nickel, couvrance nickel, teint parfait, limite, pas besoin de retouches. Franchement, je suis pas très compliquée, mais nombreuses d'entre vous devraient en être satisfaites. Toujours de chez EcoCert, bio, composition 100% nickel. Donc vraiment, aucun souci. Ça fait un moment que je les traîne, là, ça fait deux mois et ils sont encore pleins, quoi. Franchement, plein à craquer. J'en ai déjà commandé pour la prochaine fois, comme ça au moins j'aurai du change. Donc dans tous les cas, je recommande. Ensuite, niveau tout ce qui est bébé crème. Donc j'en ai une, donc que je ne mets plus du tout. Donc je vous avoue que ça fait 5 mois que j'en ai pas mis et j'en mettrai plus parce que j'ai trouvé une bébé crème bio qui va le remplacer. Donc c'est une L'Oréal Nude Magic qui était la bébé crème avant de trouver la bébé crème bio évidemment. Qui a une composition extrêmement pourrite. Donc vraiment je décommande. Vraiment dégueulasse. Franchement la composition dégueulasse. Mais j'avoue que ça fait un magnifique teint, ça c'est clair. Mais non, prenez le pas, franchement la composition elle est nulle à chier. Et pour le prix, franchement, autant aller vers quelque chose de plus naturel. Franchement, je jette ou je donne. Voilà. Qu'est-ce qui a remplacé cette bébé crème? La marque Akane ou Akane, j'ai jamais su comment dire. Donc petit tube donc de 30 ml qui a une composition très très bonne évidemment puisqu'elle est bio, éco-certe, naturelle, tout ce que vous voulez, une composition complète donc qui a une odeur de pomme justement parce que c'est fait à base de pomme, comme vous pouvez voir il y a une petite pomme ici donc qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, sinon vous allez dire ça fait quand même cher la bébé crème de 30 ml, je sais plus combien, je crois qu'elle fait 22 €, mais elle dure très très longtemps, vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes, ça sert à rien d'en mettre des tonnes si bien parce que sinon vous allez ressembler à une poupée, donc c'est pas la peine. De tout, c'est de rester naturel. Donc voilà, très bien. Donc franchement, teint super éclatant, un teint vraiment rehaussé, génial. Juste un tout petit souci, moi je trouve que bah, c'est vrai qu'une bébé crème ça donne un petit côté brillant, éclatant. Mais moi j'aime pas trop, donc ce qui fait que je mets un tout petit peu de poudre compacte par-dessus. Certaines adoreront le fait que la bébé crème donne un petit léger brillant, mais moi ça me dérange. J'aime bien quand ma peau elle est presque mate, quoi. Donc voilà, vraiment pas mal du tout. C'est pour moi la bébé crème, quoi. Donc voilà, c'est la seule que j'ai trouvée qui soit géniale jusqu'à maintenant. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les mascaras, donc en non bio, j'ai du Yves Rocher. Donc voilà, les deux comme ça. J'en ai un bleu, j'en ai un brun. Donc je les ai trouvés à l'aide de Miss Kiyou. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse donc, qui se nomme Kiyou et qui fait de chouettes vidéos. Qui recommandait donc ces mascaras. Et bah, je les ai achetés parce que j'avais envie de tester. Parce que j'en avais pas d'exceptionnel. J'avais pas encore trouvé de mascara bien. Donc vraiment. Donc brosse plate. Brosse classique, vraiment géniale. Donc vraiment brosse, on ne peut mieux, quoi, fine, vraiment géniale. Donc juste bien en fait pour déposer la quantité idéale. Une seule couche, ça suffit amplement, ça allonge bien les cils, c'est tout ce que je demande. Donc vraiment bien, sympathique. Mais, attention, mais, Beauté Test m'a permis de tester un Sobio. Donc un mascara audacieux de chez Sobio Ethique qui a une magnifique packaging. Regardez-moi ça. Packaging extraordinaire, vraiment magnifiquement beau. Le gros hic de ce mascara, c'est la brosse, quoi. J'ai l'impression d'avoir une brosse en poil de sanglier pour étaler mon mascara. Ah non mais franchement, elle est énorme, regardez-moi ça. Elle fait presque mon œil, quoi. Mais je pense que je ne l'ai pas encore bien en main. Ce qui fait qu'en fait je fous du caca partout. Mais en fait ce qu'il conseille c'est d'utiliser le côté là pour déposer le mascara. Et ensuite passer une deuxième couche avec le côté donc creux pour vraiment allonger et étoffer les cils. Le côté allongeant je l'ai vu étoffer un peu moins. Mais bon, pas mal du tout, sèche beaucoup plus vite que le Yves Rocher.
composition plus que nickel, fait à base d'huile de ricin qui renforce les cils et qui favorise leur pousse. Attention les filles. Donc vraiment pas mal du tout, très girly, packaging qui fait pas non plus fifi, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour tout ce qui est blush, donc vous allez constater que j'aime beaucoup la marque Bourjois. Et donc là j'ai une poudre bronzante qui me sert surtout de blush. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc bon, que je mets en blush évidemment, mais par contre faut pas en mettre trop parce que sinon après vous allez vous retrouver avec des joues orange, orange marron. Donc vraiment vous tapotez un coup et vous passez un coup comme ça et c'est nickel. Donc pour peau claire médiane, voilà. Donc de temps en temps ça me sert de blush. Pour les autres blushs toujours de chez Bourjois, j'ai le 16 Rose Coup de Foudre 10 Châtaigne Dorée. Donc qui sont des couleurs totalement différentes. Donc on a quelque chose de très marron. Donc de marron brun. Et quelque chose de rose, de tendre. De mignon. Donc que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est pas bio. C'est pas bio, mais bon. Je me dis que pour la peau, principalement, c'est surtout la crème, le fond de teint en fait, qui va surtout étouffer et apporter des mauvaises choses entre guillemets à la peau. Donc voilà pourquoi je mets plus du bio sur la grande zone de peau. Donc tandis que là j'en ai un petit peu là, bon je me dis à la limite, puis sur les yeux quoi, mais bon. Voilà quoi. Donc au niveau des blushs. Notamment si vous avez une marque à me conseiller. La dernière fois on me disait une, la marque une, mais je sais pas, j'ai trouvé des avis mitigés. Donc si vous pourriez me dire pour celles qui en ont chez elles. Et enfin un illuminateur, une touche illuminatrice, donc qui se présente ici donc comme ceci, toujours de la marque Bourjois. Donc ça brille, il y a des paillettes normalement. Et en fait j'en mets tout là, ici, et ça illumine le regard, c'est vraiment pas mal du tout. Donc j'aime beaucoup ça. J'en mets principalement pour les fêtes ou quand j'ai l'air crevé. Ensuite, pour terminer évidemment, les pinceaux. Je vois des filles qui ont 50 pinceaux pour le visage, mais comment font-elles? Franchement, moi je peux pas. Hein. Moi franchement j'en ai deux. Ça se résume à deux. Franchement, un pour la poudre, un pour le blush et c'est ok quoi. Donc mon fond de teint, je l'applique avec les doigts, tranquillement. Comme ça, c'est bien. Ça me fait pas de traces. Mon teint il est vraiment nickel, donc pas besoin de le travailler avec un pinceau. Je m'embête pas avec ça. Je laisse ça aux professionnels parce que ben, moi je suis pas très pro justement, donc ça me va parfaitement comme ça. Donc voilà, j'ai fait le tour. Vidéo assez longue, mais bon, on commence bien l'année, on papote tranquillement entre nous. Donc j'espère que vous aurez apprécié et j'ai hâte de recevoir mon chargeur parce que je tiens déjà plus. Ça doit faire. Ça fait 1 heure et demie que je suis sans chargeur et ça va, je survis quand même. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo news. Gros bisous les filles, salut!